Oh là 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 là, bienvenue les amis sur la radio. Je suis Gérard, votre animateur. Et moi je suis Michel, l'autre animateur. Eh oui, afin de conserver notre animal lors du précédent épisode, on avait pour ainsi dire interverti nos prénoms, mais finalement ça servait à rien du coup. En tout bien tout honneur, on reprend nos anciens prénoms, hein. Bien sûr Michel. Enfin Gérard, oh, putain, j'ai mis père. Eh, pas facile Lilo. Eh oui, tout comme l'aventure de notre cher champion lunatique. Dis-moi Gérard, tu savais qu'il avait battu Peter lors de l'épisode précédent? Bah oui, et si je puis me permettre, il s'en est fallu de peu pour que lunatique perde un de ses fidèles compagnons. En tout cas, il doit passer l'ultime épreuve qui est de se battre contre ce rival. Comme on le dit chez nous, le rival, c'est un trou de balle. Ah t'es con. Bon, sans déconner, qu'on se le dise, l'épisode 33 va marquer la fin de la série. Alors, que va-t-il se passer durant cet épisode? Eh bien, pour ainsi dire, je ne sais trop rien. Faut peut-être qu'on ferme notre gueule, Gérard. On m'en a pissé un peu trop le début de l'épisode, non? Eh bien, d'accord. À bientôt. Ah, mais bon, là, tu coupes un peu trop brusquement, les GG Dio. Ah, faut savoir, putain. Oh. Est-ce que vous y croyez, les gars? J'ai déjà battu le conseil des 4 sans perdre un seul fucking Pokémon. Oh. Mon équipe est soignée. Il est temps d'affronter Rilis. Alias. Morsite. Là, le combat va être vraiment horrible. Ah, je vais tellement prendre cher, je crois. Ce qui me stresse le plus, c'est que j'ai pas la moindre idée du premier Pokémon qu'il a. Je crois que c'est un Roucarnage, non? Si c'est un Roucarnage, je vais mettre Boule Magique en premier. Putain, j'espère juste qu'il a pas changé, quoi. C'est l'ultime combat, les gars. On va pas s'en priver, croyez-moi. Surprise! Les super bons. Ça, je vais pas les rater. Ta-da-da-da! Ta-da-da-da! What the fuck? Le poisson va apprendre Ultra Lasé? Ah, c'est tentant, mais je peux pas. Je peux pas, c'est trop risqué de perdre un tour. Ce serait mythique qu'il ait l'ultra laser, mais je peux pas. Et il en reste un. Je le donnerais bien à Krokoff par principe, mais je suis pas sûr que ce soit lui qu'on ait le plus besoin. Le Pokémon ultime de Regis, c'est un Dracaufeu. Dracaufeu, pour le vaincre, va nous falloir absolument Pénis. Et Pénis, il est que niveau 54. Donc Pépé, fais-toi plaisir. Putain, je stresse là. Là, c'est vraiment le giga combat, c'est le dernier. C'est le dernier combat. Let's go. Hey, salut Lunatique. Je t'attends depuis longtemps, tu sais. Ton devoir en tant qu'adversaire est d'entraîner mes Pokémon. En améliorant mon Pokédex, j'ai cherché les Pokémon surpuissants. J'ai ainsi créé l'équipe ultime, efficace contre tous les types de Pokémon. C'était pas, hein. Je suis le maître de la ligue, mon pote. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que je vais défoncer la tête. Je suis le tresseur le plus puissant du monde, mec. Allez, Lunatic, c'est notre dernier combat. Ça va désigner lequel d'entre nous est le meilleur. Jusqu'ici, tu m'as toujours battu. Mais t'inquiète pas, aujourd'hui c'est moi le maître. En avant, au carnage! Ah yes! Alors ça, c'est parfait. Un petit peu sous joulet. J'espère que ça va le paralyser. Ou sinon, j'espère que ça fait un coup critique. Oui, pourquoi pas. Putain, j'ai passé toute ma vie avec ce bolos de morsaille. Tout ça pour crever en un coup. Je vais me suicider à... Pourquoi pas? Après tout, franchement, je vais pas chier dessus. Vas-y, bâtard! Tu joues avec la chance! T'inquiète, j'ai un rhino féroce. Tu vas faire quoi contre ça? Bon, rhino féroce, je pense que le seul moyen de l'avoir, ce serait avec le poisson. Je lui baisse son attaque, ce qui est plutôt pas mal. Ah, séisme, ça marche pas, t'es trop nul. Allez, surf! Bim! Là, comme c'est une évolution, ça risque de pas être suffisant, mais... Oh putain de merde! J'ai passé toute ma vie avec ce beau los de morsaille. Tout ça pour crever en un coup. Je vais me suicider. Oh le poisson, tu sais. Oh la vache. Bim, 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 bim. Comme ça, niveau 59, rien à faute. Eh mais c'est abusé. T'as triché ou quoi? T'inquiète pas, c'était pas mon meilleur Pokémon, va. La Kazam, à la Kazam, à la Kazam, à la Kazam. Pour la Kazam, j'ai envie de dire...
dans la caserne. C'est même pas la peine de changer avec plus de luxe. Je vais faire séisme. Je touche le mi. Là, il va changer de Pokémon. Là, non, là, il va se soigner, pardon. Voilà. C'était obligé. Hein. Morsure, sporté. Sporté. Allez, 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 allez. Oh, ça c'est bon. Ah bah tu sais quoi, avec Azam, pute de luxe, tu nous as jamais encore montré ce que tu sais faire, toi, non? Montre-nous un petit peu c'est quoi ton attaque la plus puissante. Petite manipulation comme d'habitude, comme d'habitude, comme d'habitude, comme d'habitude. C'est parti, pute de luxe. Ouh, il fait si chaud et humide, je m'enflamme. J'ai besoin que tu m'éteignes. Ok, c'est parti. Oh, oui. Ah, ce combat s'annonce très très bien. Ce combat s'annonce très très bien. Ah, tu commences à m'énerver là. Il est temps que je sorte l'artillerie lourde, mon pote. Ah ouais, non, là ouais. Là je... là ouais. Boule magique. À toi. Ah, le bâtard, il va nous faire le coup de l'autre. C'est très 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 risqué. Mais je tente. Boule magique. Fais pas le con. Et regardez, on l'a mise à l'épreuve. Effectivement, et vous allez voir le résultat. Oui. On peut véritablement parler de miracle, Valérie. Hein. Exactement. Boule magique. Et c'est parti. Et regardez. Voilà, y'a plus rien là. Putain, boulos du mancer. Un produit révolutionnaire qui défonce tous les Pokémon. Et en plus, eh bien vous allez préserver la planète avec la boule magique. Ah. Ah non là. Là je te permets pas, là tu commences vraiment à me péter les burnes. Je te l'aime pas encore niqué une seule fois. Putain mais noix de coco, vas-y fais quelque chose. Oh merde, alors là noix de coco ça va être très très dur. Noix de coco il faudrait que je mette pute de luxe. Ah bah ça va, ah je croyais qu'elle avait pris des dégâts mais non. Non pute de luxe allez. Tu peux le faire, pute de luxe. Déflagration, allez. Je compte sur toi. Allez, 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 allez. Ah, j'ai tellement peur de mettre pénis, là. Attendez, j'ai pas compris. Où est-ce qu'il va mettre son pénis? Blague de merde. Je vais tenter de faire le fou. Je vais un peu voir son panel d'attaque. Voir ce qu'il a. Bah, lui, c'est des flagrations contre pute de luxe, c'est bien. Putain, vas-y, mais... Calme-toi, Dracofo. Calme-toi. Eh, hey, mais sérieux, il va faire que ça. Fais-toi plaisir, Dracofeu. Attends, je suis piégé. Dis-moi que je peux sortir, moi. Aïe. Ah, ça déconne plus, là. Alors, est-ce que je peux changer de Pokémon? Ah, je peux pas, je suis piégé. Ah, il a bien joué, finalement. Mais t'inquiète pas, Morsaï, moi, j'ai un gros, gros, gros avantage. C'est que j'ai les objets. Eh, moi je mens pas les cacahuètes. Oh, il fait quand même des gros dégâts. Hein. Je mens pas les coups. Ah, je m'en serais bien passé du coup critique. Vas-y, le poisson. Non. Montre-lui ce que c'est la puissance. Je tiens à m'excuser auprès des fans de pénis. Je préfère largement assurer la santé de pénis. Il a failli mourir tellement de fois dans ces épisodes. Je veux pas risquer que la dernière soit la bonne. Si vous voyez ce que je veux dire. Sur ce, Morsaï dit adieu à ton putain de Dracofeu. En 3, 2, 1. Et bientôt. Vous savez quoi? Vous voulez du pénis? Vous allez en avoir. Allez, mon gros, t'es le Pokémon le plus rapide. T'as le choix, tu fais éboulement et tu le défonces. Il est type vol et feu. T'as le quadruple avantage. Fais-toi plaisir, mon gros. Oh putain de yes.
tu es coincé, Dracofeu. Tu n'as pas d'échappatoire. D'ailleurs, Panis, fais-nous, toi aussi, ton attaque ultime pendant que tu y es. C'est parti. Ah, j'ai l'honneur de lancer l'attaque ultime. Afin de faire honneur à mon maître qui a tant pris soin de moi, je me dois de te défoncer, littéralement. Et même si tu es un mâle, rien à foutre. Cross. Pénétra dans ton cul. J'ai gagné. Putain. Non, impossible. Mon récepteur est fiché. Après en avoir tant bavé, je me fais battre. Et par toi, mon rêve de gloire, disparu. C'est pas juste. Moi, pourquoi? J'ai entraîné mes Pokémon à la perfection. Et putain, c'est toi le maître. Oh, ça me trouve le cul, bordel. Lunatique. Hein? Qu'est-ce que tu fous là, toi? Tu as gagné. Félicitations. Oh, t'es le nouveau maître de les Pokémon. Oh, laisse-moi reprendre mon souffle parce que j'ai couru là. Lunatique, je suis fier de toi. Morsai, je suis... déçu. Apprenons que tu avais vaincu le Conseil 4, je suis venu en vitesse. Mais le temps d'arriver jusqu'ici, tu avais déjà perdu. Tu es qu'un piètre petit-fils. Je te renie. Mais bon, as-tu compris pourquoi ton équipe s'est fait battre? Tu as oublié de traiter tes Pokémon avec amour. Lunatique, tu as compris que tu dois aussi cette victoire à tes Pokémon, n'est-ce pas? Le lien que tu as créé avec eux est merveilleux. Surtout avec ta pute de luxe, de ce que j'ai entendu dire. Allez, Lunatique, suis-moi, c'est bien toi le meilleur. Ça, c'est cool, ça. Putain, les mecs, j'ai pas perdu un putain de Pokémon. Cet étage est réservé au Panthéon des dresseurs. Les maîtres de la Ligue Pokémon sont contre. Leurs Pokémon sont enregistrés en tant que célébrités. Ah, ton périple fut long jusqu'à la victoire. Encore bravo, toi et tes chers Pokémon êtes tous célèbres désormais. Boule magique. La boule magique. Le poisson. C'est le poisson. Poisson. Pénis. Cocof. Dialéomite. Pute de luxe. On a eu chaud. LOL. Bienvenue au putain de Panthéon. Maître de la Ligue, félicitations. What the fuck? Regis, ne pars pas. C'est quoi ce bordel? Attendez, mais pourquoi vous me laissez tout seul? J'arrive! Enfin, je crois. Bah ouais! Et c'est ainsi que Lunatique s'en alla vers d'autres aventures. Non.